Bonjour, dans cette vidéo on va s'entraîner à travailler avec des droites et notamment on va voir comment est-ce qu'on peut déterminer si des droites sont parallèles, perpendiculaires ou ni l'un ni l'autre. Alors c'est exactement le but de cet exercice. On nous donne deux droites, une droite qui passe par ces deux points-là, 4, moins 3 et moins 8, 0, et une autre droite qui passe par les points moins 1, moins 1 et moins 2, 6. Alors évidemment je pense que tu sais ce que sont que des droites parallèles et des droites perpendiculaires, mais on va quand même se rafraîchir un petit peu la mémoire. Alors, des droites parallèles d'abord. Des droites parallèles. Eh bien, je vais en dessiner ici deux. Je vais faire un petit croquis. Voilà. Ça, c'est mon repère. Donc, l'axe des X ici, l'axe des Y là. L'origine du repère ici. Et je prends une première droite, n'importe comment. Voilà, je la trace comme ça. Et une droite parallèle à celle-ci, c'est une droite qui a la même direction, donc qui est comme cela. En fait, c'est une droite qui ne va jamais couper cette première droite rose. Deux droites parallèles ne se coupent jamais. Alors, une autre interprétation de ça, c'est qu'en fait, elles ont le même coefficient directeur. C'est-à-dire que le coefficient directeur de celle-ci, qui est le rapport entre la variation des ordonnées et la variation des abscisses, eh c'est exactement le même que pour la deuxième droite. Voilà. Donc ça c'est vraiment la définition de droites parallèles. En fait, ce sont des droites qui ont le même coefficient directeur. Ce ne pas forcément les mêmes droites, elles peuvent être confondues, mais en général ce sont des droites différentes mais qui ont le même coefficient directeur. Alors ensuite, des droites perpendiculaires. Des droites perpendiculaires. Je vais faire la même chose, je vais faire un petit croquis, je vais tracer un repère, voilà. X, L'axe des X, l'axe des Y, l'origine, et je vais tracer une première droite, comme ceci. Voilà. Et puis maintenant, je vais tracer une droite perpendiculaire à celle-ci. Donc, c'est une droite qui coupe la droite rose, mais en faisant un angle droit. Voilà, comme cela. Bon, je ne l'ai pas très bien dessiné, mais ici, il y a un angle droit, donc un angle de 90 degrés. Et ce qui est intéressant, je ne vais pas le démontrer dans cette vidéo-là, on, on l'a fait dans d'autres vidéos c'est qu'il y a aussi une relation entre les coefficients directeurs de ces deux droites. Ici, si je dis que la droite rose a une, un coefficient directeur égal à m, et que la droite orange a un coefficient directeur égal à m', eh bien le produit de m fois m' est égal à moins 1. Là, je peux l'écrire ici, m fois m' est égal à moins 1. Et ça c'est très intéressant parce que ça veut dire que le coefficient directeur de cette droite orange ici, m', eh c'est l'opposé de l'inverse du coefficient directeur de la première droite. m' c'est moins 1 sur m. Voilà, là je crois qu'on a tout ce qu'il faut pour aborder cet exercice. Alors je vais calculer le coefficient directeur m de la première droite, la droite d, qui passe par les points 4 moins 3 et moins 8 0. Alors, le coefficient directeur de cette droite, eh c'est donc la variation des ordonnées rapportée à la variation des abscisses. Donc au numérateur, ici, je vais calculer la variation des ordonnées. Alors il faut faire attention à bien prendre les variations des abscisses et des ordonnées dans le même ordre. Moi, je préfère toujours partir du point final et soustraire les coordonnées du point initial. Donc j'arrive à une ordonnée de 0 en étant parti d'une ordonnée de moins 3. Donc la variation des ordonnées c'est 0 moins moins 3. Et puis pour les abscisses, je suis arrivé à une abscisse de moins 8 en étant parti d'une abscisse de 4. Donc la variation des abscisses c'est moins 8 moins 4. Donc ça ça fait alors 0 moins moins 3 ça fait 0 plus 3 ça fait 3. Divisé par moins 8 moins 4 qui est égal à moins 12. Et donc ici je peux diviser par moins 3 en haut et en bas, et j'obtiens que ça en fait c'est moins 1 sur 4. Voilà donc le coefficient directeur de cette droite D, et eh bien c'est moins 1 quart. Maintenant, on va calculer le coefficient directeur M' de la deuxième droite, qui passe par les points de coordonnées moins 1, moins 1 et moins 2, 6. Alors je vais faire exactement la même chose. J'arrive à une ordonnée de 6 en étant partie d'une ordonnée de moins 1. Donc la variation des ordonnées, c'est 6 moins moins 1. Et pour la variation des abscisses, je suis arrivé à une abscisse de moins 2 en étant partie d'une abscisse de moins 1. Donc la variation des abscisses, c'est moins 2 moins moins 1. Alors 6 moins moins 1, ça fait 7. Et au dénominateur, j'ai moins 2 moins moins 1, c'est-à-dire moins 2 plus 1, c'est-à-dire... Donc finalement, le coefficient directeur de la droite D', c'est moins 7. Alors effectivement, M et M' ne sont pas égaux, donc les droites ne sont pas parallèles. Et on peut voir tout de suite aussi que le produit M fois M' n'est pas égal à moins 1, donc les droites ne sont ni perpendiculaires ni parallèles. Donc la bonne réponse, c'était celle-ci les droites D et D' ne sont ni parallèles ni perpendiculaires. Allez, on fait un autre exercice exactement du même genre. On nous donne encore deux droites. Alors la droite D passe par les points moins 3, 14 et 1, moins 2. Je vais calculer tout de suite le coefficient directeur de cette droite. Donc M ici, c'est... Alors, j'ai moins 2, moins 14, divisé par 1, moins, moins 3. 1, moins, moins 3. Donc moins 2, moins 14, ça fait moins 16 divisé par 1 plus 3, c'est-à-dire 4. Donc ici, moins 16 divisé par 4, ça fait moins 4. Ensuite, la deuxième droite, la droite D', elle passe par les points de coordonnées 0 moins 3 et moins 2 5. Je vais calculer le coefficient directeur M' de cette droite. Donc ici, la variation des ordonnées, c'est 5 moins moins 3. 5 moins moins 3. Et la variation des abscisses, c'est moins 2, moins 0. Moins 2, moins 0. Alors ici, 5 moins, moins 3, ça fait 8, ça fait 5 plus 3, divisé par moins 2, moins 2. Et donc ici, 8 divisé par moins 2, ça fait moins 4. Et donc là, ce qu'on peut en déduire, c'est que M est égal à M'. M est égal à M'. Donc les droites sont parallèles. Ces deux droites-là sont parallèles. Allez, on en fait un dernier pour être sûr d'avoir bien compris. Alors, cette fois-ci, on nous donne une droite D qui passe par les points 3, 3 et moins 6, moins 3. Donc, je peux calculer son coefficient directeur, sa pente. Alors, c'est moins 3, moins 3, moins 3, moins 3, divisé par moins 6, moins 3. Alors, moins 3, moins 3, ça fait moins 6. Divisé par moins 9. Moins 6, moins 3, c'est égal à moins 9. Là, je peux diviser par 3 en haut et en bas, par moins 3 en haut et en bas même. Donc ici, j'obtiens 2 tiers. Donc la pente de cette première droite, c'est 2 tiers. Maintenant, je vais calculer la pente de la deuxième droite, qui passe par les points 2 moins 8 et moins 6, 4. Donc M', la pente de cette deuxième droite, c'est alors 4 moins moins 8, divisé par moins 6, moins 2. Moins 6, moins 2. Alors 4 moins, moins 8, ça fait 4 plus 8, ça fait 12. Divisé par moins 6, moins 2, ça fait moins 8. Là, je peux diviser par 4 en haut et en bas, donc j'ai un moins devant. Je divise 12 par 4, ça fait 3. Et 8 par 4, ça fait 2. Alors ici, c'est intéressant parce qu'en fait, m et m' sont opposés et inverses l'un de l'autre, puisqu'effectivement, tu peux le vérifier, hein. m fois m', eh bien, c'est 2 tiers fois moins 3 demi. Donc ça, je peux l'écrire comme ça, moins 2 tiers fois 3 demi. Et tu vois que les deux se simplifient, les trois aussi. Et donc finalement, m fois m' est égal à moins 1. Donc ces deux droites-là, elles sont perpendiculaires, puisque leurs pentes sont opposées et inverses l'une de l'autre.